Je vous propose d'écouter un poème de Maïakovski, un poète révolutionnaire russe, un poète que j'aime beaucoup pour son style. Il est très bien, ce poème que je vais vous lire, il est très bien traduit. Donc je trouve qu'il est, il est assez... les vers, les lignes sont également aussi coupantes que dans l'original. Et c'est assez puissant comme expression. Il était très jeune quand il écrivait, une vingtaine d'années. Et aujourd'hui, quand je le relis, c'est quand même incroyable. À 20 ans, d'écrire ce genre de choses. Et aujourd'hui, je ne sais pas si on est capable à 20 ans d'écrire ce genre de choses. Voilà, 20 ans, encore tout ce pouvoir, toute cette puissance de jeunesse magnifique, tout cet encore, ce maximalisme, cet idéalisme, c'est magnifique. Alors, le poème que je vais lire en russe et en français. Donc, le poème qui s'appelle «Послушайте». Écoutez en français. Le titre, écoutez. «Послушайте». «Послушайте». Ведь если звезды зажигают, значит... Это кому-нибудь нужно? Значит, кто-то хочет, чтобы они были? Значит, кто-то называет эти плевочки жемчужиной? И, надрываясь в метелях полуденной пыли, врывается к Богу, боится, что опоздал, плачет, целует ему жилистую руку, просит, чтобы обязательно была звезда, клянется, не переживет эту беззвездную муку. А после... Ходит тревожный, но спокойный наружно. И говорит кому-то: «Ведь теперь тебе ничего? Не страшно, да? Послушайте, ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно? Значит, это необходимо, чтобы каждый вечер над крышами загоралась хоть одна звезда». И en français... Écoutez! Puisqu'on allume les étoiles, c'est qu'elles sont à quelqu'un nécessaires. C'est que quelqu'un désire qu'elles soient. C'est que quelqu'un dit perle, c'est crachat. Et forçant la bourrasque à midi des poussières, il fonce jusqu'à Dieu, craint d'arriver trop tard, pleure, baisse sa main noueuse, implore qu'il lui faut une étoile. Il jure qu'il ne peut supporter son martyre sans étoile. Ensuite, il promène son angoisse, il fait semblant d'être calme. Et il dit à quelqu'un: « Maintenant, tu vas mieux? T'as plus peur? Dis! » Écoutez, puisqu'on allume les étoiles, c'est qu'elles sont à quelqu'un nécessaires? C'est que c'est indispensable que tous les soirs, au-dessus des toits, se mette à luire seule au moins une étoile. Je vous remercie. Thank you.